Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans le troisième épisode de A Plague Tale Innocence et on continue avec le chapitre 3. C'est parti. Châtiment. Traqués par des villageois en pleine chasse aux démons, Amika et Hugo ont trouvé refuge dans le monastère du bourg. Ils cherchent désormais des moines pour trouver Laurentius, le médecin. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Donc on est dans un monastère, c'est ça? Explorer l'église. Alors la différence entre une église et un monastère, c'est que dans un monastère, les moines y vivent. Wow. Et normalement, on n'en sort pas. Ça dépend si on est au 13e siècle. 13e siècle, je sais pas s'il y a déjà des. C'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Attention. Pour papa et maman. Veillez sur eux. Alors, on va explorer un petit peu. Hé, hey, t'as vu? Il y a une fenêtre cassée et une échelle. Ah, il y a une échelle. Peut-être une sortie. Oui. Genre, le jeu te guide bien quand même, au cas où si t'as un problème et que tu l'avais pas vu l'échelle. On va regarder quand même s'il n'y a pas des petits loots, parce qu'on sait bien que les loots, c'est important. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Il souffle. Hé, oh! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Ah, ici, il y a un truc. Oh, un collier, c'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. Ok. Il y a d'autres petits trucs à récupérer? Oui. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. Ok. Hop. On pique une église quand même, c'est... c'est pas mal. Le karma, Amicia, le karma. Allez, zo. On va passer par la... par l'échelle. A priori, c'est par là qu'il faut passer. Monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Bon, mais vaut mieux pas monter à deux dessus. Vaut mieux attendre. Amicia, c'est plus prudent. Y a quelqu'un. Enfant, qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Arrêtez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. Oui, il a l'air de s'en battre complètement les couilles hein, de nous. Ok, ok. Donc oui, j'allais dire oui, les échelles. J'ai déjà monté une échelle en bois. Les échelles en bois, c'est très très solide. Hein. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands. Je ne pense pas, non. Mm-hmm. Ah, il y avait des malades ici. Ça a quand même été bien défoncé. Hein. Sur la commode, il n'y a rien. Et là, il y a un petit truc. On récupère du soufre. Okay. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Allons-y. Il y a rien sur la petite table? Ah si. Ah, j'ai bien vu qu'il avait raté un truc. Du tissu. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais... on récupère. Allez, go. Qu'est-ce qu'il y a là? Je connais cette odeur. Ah, c'est des bains. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Ça donne envie. Il y a vraiment des trucs un peu partout, quoi. Vraiment, les voir. Pour les repérer, c'est pas facile, hein, sur le coup. Et on va le trouver, le moine, là. Il est pas parti. Il joue à cache-cache. Ah, il y a un truc là-bas. On va vérifier d'abord. Hop, c'est quoi? C'est du salpêtre. Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets. J'en avais dans mon herbier. Oh. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord.
On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Classe. Ça va, ils sont un peu réconciliés. Ok, on continue. Oh, c'est bizarre la caméra. Hop. On repart. Encore des loot. Des petites pierres, 4 sur 6. Ok. Et vérifions par là s'il n'y a pas un truc. Ah, il y a un truc. Hop. Ok. C'est parti! L'ambiance est vraiment bien retranscrite. Hein. C'est un truc de malade. L'immersion de ce jeu. J'aime beaucoup. Non, on peut pas ouvrir? Non, on peut pas ouvrir. Il est là. Il y a le moine. Mon père? Encore vous? Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Oh. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Oula, ça a l'air calme. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. D'accord. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village. De quel mal s'agit-il? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Hein? Puis, la maladie s'est propagée. D'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et ça venait d'où? Nous approchons. On peut pas courir là, comme on est, il doit pas y avoir de loot. Bon. Attendez-moi. Vas-y, bon, il m'attend. La peste, bien évidemment. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Oui, c'est un monastère. Frère Morel ? Restez ici. Frère Morel. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as? Mon père? C'est dégueulasse.
Ok, la lumière c'est la solution. Ah mais il y a une ombre. Génial. Non, reste près de moi. Ils l'ont mangé, Amicia. Ils l'ont mangé. Mais tout le ciel. Comment il peut y en avoir autant? Les joueurs de Fortnite. Ils sont là, les joueurs de Fortnite, au secours. Ah, oh, c'est dégueulasse, le cadavre. Oh. On regarde pas. J'avais compris, Alicia. Oh, c'est dégueulasse. Bon, on continue, hein. Y'a rien à loot. Y'en a trop. Ils sont partout. Youpi. C'est pas possible. C'est un cauchemar. On doit retourner dehors, Alicia. Je sais. Oh, c'est dégueulasse. Oh, ah bah le frère Morel. L'autre frère. Oh. On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. C'est dégueulasse. S'il te plaît, du calme. Il y a un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après, on trouvera bien. Ouais, d'accord. Là, on a de la lumière. Vite, 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 la lumière, la lumière. Comment il peut y en avoir encore? Okay. Du feu. Il nous faut du feu. Ouais, facile. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Ah, le bois va brûler vite. Vite. Calme-toi, Hugo. Tu peux pas sprinter? D'accord, oh, il s'éteint. Alors c'est ça, l'Orléans. Terra, le père a parlé d'une issue. Par la crypte. D'accord, donc le bâton il brûle en 15-20 secondes, quoi. Max. Amicia, les trois statues, la crypte des trois saints. C'est la sortie dont parlait le père. Échapper aux joueurs de Fortnite. Atteindre l'entrée de la crypte. Je ne jouerai pas à votre jeu. Va des rétro. Passe. Ah, par là. Je vais t'aider. D'accord. Ok, on peut pas prendre la torche, non. Ce serait trop facile. Encore un moine. Oh, c'est dégueulasse. Ouais. Là-haut, Amicia. Je dois pouvoir le faire tomber. Ils les ont tous mangés. Ne regarde pas, Hugo. Oh, c'est... Il n'y a plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Oui. Allez. Il y a une porte, là. C'est fermé. Donc c'est par là. Il y a l'échelle. On va à l'échelle. Bon, d'accord. Ah, il y a des loot, quelques pierres. Ok. Continuons. Ah, des cuillères. Et là, ah, il y a un truc. Hop, des salpettes. Oui, d'accord. Faut tirer dans la chaîne. On va passer en même temps. Vite. Je passe devant. Oh, c'est vrai. Oui, je passe devant, c'est logique. Parce que si, comme ça, s'il tombe, tu le rattrapes. Ok. Ok. Ils font trop de bruit. Trop de bruit. Hugo, calme-toi. Il y avait des loups. On peut pas faire mieux. Non, on peut pas faire mieux. On continue. Let's go. C'est parti! Ils nous auront pas, les joueurs de Fortnite. Oh, un atelier. Un atelier, on a récupéré des loot. Ok, il n'y a pas d'autres loot. Qu'est-ce qu'on améliore? On peut améliorer soit ça, c'est tout. Poche peut contenir jusqu'à 12 matériaux de chaque type. Bah, c'est pas mal parce que ça permet d'économiser des matériaux. Là, on voit que je suis à 3 sur 3. Ok, donc ça permet de faire pas mal. Sac de munitions, c'est bien aussi, mais il nous manque pas mal de trucs. Là, il nous manque trop de choses. Bon, on va le faire. Hein. On va faire la poche. Pas mal. Pas mal du tout.
Ok, en prut, on peut encore l'améliorer pour passer à 16 matériaux. Ok. Pas de... Ah, c'est bien. Et sur ce... Ah! T'as parlé trop vite. Bah déjà on récupère les loots, il y en a plein, et il y a des sauciflards. C'est ça qu'on va faire? Ouais c'est ça. Des sauciflards, c'est pas du saucisson, c'est des cuisses. Ça a l'air de les occuper. T'es sûr? Un autre jambon, ça devrait aller. C'est le jambon. Allez, viens. Est-ce que ça les occupe à vita eternam? Faut se panier le cul peut-être, hein. Ça les occupe peut-être pas tout le temps. Si, ça a l'air de les occuper tout le temps. Ça a l'air de les occuper tout le temps. Il faut savoir ça, si c'est une mécanique interminable. Ouais, c'est une mécanique interminable. Oui, oui. En bas, les trois saints. Où ça? Ah là. On se rapproche de la sortie. J'aurais pas vu le loot sinon. J'aurais pas vu le loot, je pense. J'aurais passé tranquille. D'accord. Soyons prudents. Encore des rats. Laissez-nous tranquilles. Ah, faut monter sur la table. A priori. Si on va par là, on sera à l'abri. On va éviter de courir sur la table quand même. Oh putain, c'est ça. Pas tomber, on va pas tomber. Tiens bien ma main. Il y a des loots là. J'ai l'impression qu'il y a de la lumière. Non, c'est pas un loot. Ah, il y a un jambon. Il y en a un autre? Mais là, si je descends, c'est mort. Il y a un autre jambon, il y a... Oh, il y a un autre là. Si je descends, est-ce que je suis assez dans la lumière? La torche. Ah. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Mais vas-y. Vas-y, Hugo. Allez. Allez. Ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. C'est bon. Tu peux lâcher là. Ah non, tu veux qu'il revienne? Le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver. Ne panique pas. Avec la... Oh putain, j'ai eu peur, Aira. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière nous protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. Oui. Au secours. Très bien. Au secours, ça me stresse. Oui, il y a trop de rats de mon côté. File-moi la torche. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Ouais, d'accord, faut passer par là. Mais avant ça, faut peut-être aller voir s'il n'y a pas un loot quelque part. Voilà, je savais bien qu'il y avait des chances qu'il y ait des loots. Hop, on récupère les loots. On se met bien les potes. Rien. Ok, donc c'est bon. Pose la torche. Là. Oh, c'est dégueulasse, ils sont à 2 cm. Oh. Oh. Il faut que je me dépêche. Oh, vite! Les loots là. Oui Hugo, tu vas bien? Ah, il y a une gravure. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Il faut aller dans la salle. Ok, on a tout pris, on se barre. Ok, on a tout pris.
Voilà, en tout cas, on a pris tous les loots. On n'a pas raté. Oh putain, j'ai peur. Putain, bah fais peur. Ok, là faut allumer la braise. Hugo, ah oui. Ça va? Il y avait des rats. J'ai été vers la lumière. Ils t'ont mordu? Non, j'ai trouvé une échelle. Mais il y a des rats en bas. Je vais t'ouvrir le passage. On va te descendre de là. Calme-toi, Lucia. On va bien. Tu vas bien. Reste concentré. Ah, il faut que je les allume. Dégagé, saloperie. Ces brindilles brûlent trop vite. Je ne pourrais pas les repousser assez longtemps. Ah, sauf si t'allumes les trucs. Il y en a un autre. Ah, il y a quelque chose là-bas. Yes. Ok. Parfait. Merci. Donc je vais chercher une autre brindille. Je l'allume, je vais allumer l'autre truc. On est parti. C'est par là qu'il faudra partir, je pense. Ok, on va aller hop. On va y aller. Faut aller vite y aller. Et un autre. Là on allume là. C'est bon, tu peux descendre. Bon. Désolé. Ok. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Ah, je voulais descendre. Je voulais monter, voir s'il y avait des loot. Oui. Ah faut monter? Ouais, faut monter. Peut-être qu'il faut monter, peut-être qu'il faut pas monter, on verra. Je connais ce dessin. Un tabard de croisée. Ah oui, les croisades. Je sais pas à quelle période on est, en 1300 et quelques. Si on est en 1300, ça doit être la seconde ou la troisième croisade, je sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas. J'ai fait des études d'histoire, mais j'ai jamais été bon en date. Puis bon, ça date d'il y a 20 ans, il y a 10 ans. Exagère non plus, mais. Ok. Il est où? A priori, non. Ouais, donc là, on va attendre, on va prendre la prochaine. La prochaine manie, on va acheter celle-là, prendre une autre. On n'avait pas tenté le diable, c'est le cas de le dire. Et c'est bon, on est passé. Maintenant, il faut aller chercher une brindille et on va passer de l'autre côté. Là, c'est par là qu'il faut aller, je pense. On jette celle-là, hop, on évite de se brûler. C'est parti! Bonjour, il veut dire bonjour, bonjour, bonjour. Il y a un truc sur le lit, faut goûter. Et on jette. Et on en prend une autre. Et on allume. Et ça sert à rien, puisqu'il faut que. Ok, il y a un atelier. La crypte! Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Oh yes, il y a des loot. Hop. Ouais, ok, c'est par là qu'il faut aller. On va regarder si on peut pas construire un truc d'abord. On peut soit faire la pochette, soit faire le sac de munitions. Donc la pochette, ça permet d'enchaîner deux tirs sans concentration ni rechargement. Ah, c'est un peu pété. C'est un peu pété. Les sacs de munitions, bah l'avantage c'est que ça permet d'avoir peut contenir 10 munitions, donc c'est pas mal aussi d'avoir des munitions, je pense. Donc on va faire améliorer le sac de munitions pour le moment. Ça, et le prochain truc, ce sera la pochette. Ok, ok. De toute façon, il nous manque pas beaucoup de choses pour améliorer le prochain. Ça devrait le faire. C'est à droite. Iker et son sens de l'orientation. Vérifier d'abord s'il n'y a pas des loot au bout là. C'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Y'a rien. Non, y'a rien. Et l'autre côté? On peut pas y aller.
Ah ouais, c'est une sorte de d'arbre pourrave, de racine pourrave. Prendre ça, oh génial, j'adore. C'est la confiance. Ah, faut aller ouvrir, ah, faut aller vite allumer lui là-bas. Les murs, je sais pas. Oh, ah, c'est dégueulasse. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors. D'accord, faut aller où? Faut aller par là, ouais, par là. C'est reparti, génial! Attendez, on va vérifier d'abord s'il n'y a pas des trucs là. Non, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je vérifie quand même. Hein. Ok, bon, on jette celle-là. On en prend une autre. On en prend une. Non, vous approchez pas, s'il vous plaît. Restez loin. Merci. Allez. Oh, mais c'est accueillant comme endroit. Je suis pas sûr qu'il faut, il faudrait payer cher pour passer par cet endroit. Donc là, j'ai juste besoin de sortir. Il n'y a rien d'autre. Bon, il y a rien d'abord. Rien d'autre. On peut se barrer. Là-bas, de la lumière. On y est. On y est, Hugo. Vite. Oh, Hugo. Vite. Cours. Et boum! On a réussi. On a réussi. Et là, un nuage. Il fait nuit. Le soleil se cache. Et là, se bouffe. Amicia, je veux voir maman. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne.